Le papillon demi-deuil, Melanargia galatea. On appelle le demi-deuil également échiquier commun, car l'aile antérieure est sur le dessus, noire avec des taches blanches à peu près carrées. Bon, pour les voir carrées, je ne sais pas où ils ont vu carrées, mais bon, voilà d'où il tire son autre nom, d'échiquier commun. Le nom français, le demi-deuil, tire son origine, quant à lui, de sa coloration noire et blanche. En anglais, il se nomme Marbled White, le marbre est blanc. Le demi-deuil est un papillon assez répandu en Europe occidentale. Il est bien répandu dans le sud de la France, mais il est toutefois visible aussi au nord de la France. On l'observe dans de nombreux biotopes tels que les prairies, les bois, clairières, pelouses, avec une prédilection pour les graminées. Les adultes sont visibles en vol de juin à août. Ils peuvent mesurer de 35 à 55 mm à taille adulte. Donc, ses antennes et ses yeux sont noirs. Son corps est très velu, de couleur gris-blanc sur le dessous et souvent noir sur le dessus. Il existe des individus plus noirs de la même espèce, mais que l'on ne peut rencontrer qu'en Italie. Voilà les amis pour ce beau papillon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.